c'est 200 professionnels de la musique qui se rencontrent à Genève, mais c'est également 200 bénévoles investis. Moi, adoré, on les kiffe. Mais pas seulement, c'est également une équipe de professionnels acharnés qui bossent toute l'année. Suivez-moi. Baron Van Der Feun. Ici, nous sommes à la co-direction et programmation. C'est la croquignolesque Priscille qui s'occupe de ça. Si vous voulez être programmé au prochain VDF, vous avez qu'à dire que vous aimez les chevaux, car c'est le cas. D'ailleurs, à propos de la Priscille, réflexe. Et bienvenue à l'administration et production. C'est la délicieuse et romantique Vanessa qui s'occupe de lire entre les lignes de contrat. Et croyez-moi, elle a les yeux partout. D'ailleurs, Vanessa, réflexe. Ah ! Oh mon dieu, il me mord ! Oh, bouge voyons ! Ah ! Que serait un festival de musique sans technicien? Pas grand chose, on a ici Franck qui est un intermittent du spectacle, ou plutôt dire dans la vraie vie, un chômeur. Je t'emmerde, pas compris. Ce qu'il y a de fou avec les gens qui travaillent dans la culture, c'est qu'ils ne travaillent pour presque rien. Une abnégation totale, je les admire. Et là, on arrive au sein du sein, le succulent, le sublime, que dis-je, l'intangible, communication presse et réseaux sociaux, c'est Valérie et Marie. On ne sait pas qui est qui, mais elles font un job incroyable. Oh, elles ont une charpe en plus, les filles, vous me régalez là. Allez, bon courage. À voix de fait, on ne recule devant rien, ils ont même la délicieuse et charismatique stagiaire Ambre. D'ailleurs, à ce propos, 2021 pour découvrir le monde du spectacle. Très bonne année. Tranquille, tranquille Guillaume, ça va bien se passer. Bienvenue à la co-direction et la coordination. Ça fait 6 ans qu'ils travaillent pour ce festival. Honnêtement, personne ne sait ce qu'il fait. Guillaume, réflexe. A bientôt VDF, je vous kiffe d'amour. Extraordinaire maintenant, incroyable.